jour, j'ai marché à plus de 15 km. Bon, c'est quand même une grosse journée. J'ai décidé de ne pas prendre de transport en commun parce que je pense qu'en visitant une ville, c'est toujours mieux de le faire à pied. Et c'est sûr que c'est dans une chaleur incroyable. Donc, je me suis rendu dans le bout de, bon, je pense que c'est le sud de Rome, pour aller visiter les catacombes. Je ne suis pas rentré encore, mais je me rends compte que c'est un milieu où il y a moins de touristes. Les touristes arrivent en autobus et moi, je suis arrivé à pied. Et c'est ça. Beaucoup de réflexions. Pas beaucoup d'auto, pas beaucoup de personnes. Des grands sentiers qui finissaient plus. Et puis, avait presque pas d'eau. Donc, je me suis permis de réfléchir et faire le point à l'intérieur, comme les catacombes, si vous savez, c'est bien où nos premiers chrétiens ont dit qu'ils croyaient en Jésus-Christ et puis que c'était un danger de mort. Et si on connaît un peu le début de la chrétienté, c'est quand même hallucinant que ces gens-là, des débuts, ont vu, cru. Leur foi a été transmise par des gens qui étaient convaincus que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la résurrection. Et c'est sûr qu'on allait mettre les cadavres dans les catacombes, c'est-à-dire éloignés de la ville de Rome. C'est sûr qu'il y a toute une histoire derrière ça, parce que les débuts des chrétiens célébraient l'Eucharistie dans les catacombes, les coins cachés, parce que c'était quand même assez dangereux de dire qu'on croyait en Jésus-Christ. En tout cas, j'ai réfléchi, je prie. Je sais que ma foi elle date pas d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus qu'une foi qui était transmise par mes parents et qu'aujourd'hui, je crois être capable de la transmettre à d'autres. Mais c'est une foi qui dure depuis plus de 2000 ans. Et encore aujourd'hui, les gens voient que le chemin de cette vie, c'est bien Jésus-Christ. Donc voilà, je vous présente les photos que j'étais capable de prendre, les catacombes, et puis là,